drink right now. Et c'est bien parce que nous avons... Quoique, attends, tu as... T'as dit que tu ferais tout et n'importe quoi. Intéressant. Intéressant, mais nous avons de l'eau. Enfin, plus beaucoup, en fait. Et on en a encore. Alors, bienvenue pour cet épisode de la survie du week-end, toujours sur The Long Dark. Je suis allé sur Steam. J'ai regardé un peu le forum de The Long Dark. On dirait le forum de Resident Evil Resistance, quoi. Il y a beaucoup de drama, apparemment. Il y a beaucoup de drama. Beaucoup de gens se plaignent de choses bêtes et méchantes. Genre, par exemple, pourquoi les mods ne fonctionnent pas et tout ça. Ils en ont parlé récemment. Enfin, bref. Les gens s'énervent pour un peu à rien. On devait finir notre arc. Donc on va finir notre arc. 3 heures. Yes. Donc on va faire ça. Donc dans cet épisode, on va devoir faire beaucoup de choses. Réparer nos vêtements, faire l'arc, machin, etc., etc. Donc on va aller assez rapidement. On va faire en sorte de... On va dire de finir tout ce qu'on doit faire. Et comme ça, on pourra directement partir la prochaine fois. Donc, qu'est-ce qu'on a sur nous? On a encore des... donc, on a fait l'arc. C'est bon, il marche. Il fonctionne. C'est très bien. Nous avons encore ça. Hop, hop, hop. Très bien. Nous avons une flèche. On pourrait faire encore des flèches. On pourrait peut-être faire des flèches encore. Nous avons 2 à 73%, une 77%. On a une à faire. Je crois qu'on n'a qu'une seule en réserve à faire. Je crois que oui. Je crois que c'est un oui. Est-ce que nous avons des fûts exacts? Nous avons un fût. Hop là. Et c'est parti. Nous faisons la dernière flèche. Voilà, très bien. Donc, résumons. Résumons. Donc nous avons créé un deuxième arc qu'on va déposer à la maison de Milton. Nous avons refait nos flèches. On les a toutes faites cette fois. On a des fûts de flèches en plus. On va les déposer. Pap, pap, pap. Voilà, flèche simple. Alors le mieux c'est quoi? C'est de transporter des fûts de flèches ou une branche. Genre là on en a 4, c'est 0,20. Je pense que c'est mieux de faire des fûts en fait. Ouais, 0,20 pour 1. Donc ça fait 3 fûts de flèches. Donc c'est 15. C'est bien ce que je pensais. Donc oui, c'est mieux. Oula, j'ai eu le cerveau qui s'est arrêté de réfléchir pendant une seconde. Oui, non, c'est mieux de les... C'est un tout petit peu moins lourd de les transporter, de les transformer pardon, en fût de flèche directement. On gagne 0,05. Bon, c'est pas énorme non plus honnêtement. Mais bon, si on en fait plein, si on a voilà, parce qu'on a plein de bois, autant faire ça. Donc on a foire d'élan, on a l'ours qui est prêt, on a le cerf. Si je me rappelle bien, chez nous, au lac Mystère, on a aussi une peau d'ours. Donc ce qu'on va faire à la limite, c'est qu'on... prendra cette peau d'ours là et on l'amènera au lac Mystère. On va faire ça. Qu'est-ce que je voulais faire maintenant? Parce que attendez, je suis sorti mais je sais pas ce que je veux faire. Ouais, y a rien à faire. On va aller à Milton. Je sais pas trop pourquoi, mais on va aller à Milton. Ouais. On va voir ce qu'on a. On va voir ce qu'on a à la maison. Là, on pourrait faire du feu. Il fait joli et on n'a pas froid. Il fait zéro. Donc c'est bien. Ou alors on pourrait aller chasser l'ours. Ah ben non, vu qu'on a une peau là, on a déjà chassé l'ours. L'ours il était de ce côté là-bas. Donc du coup, je sais pas vraiment où il y a un autre endroit pour un ours en fait. On pourrait chasser encore des loups, mais ça sert à rien. Ça
sert strictement à rien. Il y a quoi de ce côté? Genre là. La 7, ça c'est la ferme. Non, je pense pas qu'il y ait des choses intéressantes à regarder. Donc ouais, en fait dans cet épisode, avant de le lancer, je me suis dit tiens on va faire ça, ça et ça, mais en fait on n'a pas grand chose à faire en fait, au final. Parce que nos vêtements sont en très bon état. À la limite il y aurait juste à aller chasser des cerfs et tout ça, en plus. Mais basta quoi. Nos vêtements peau de lapin, on les a tous faits. Donc ouais, il n'y a pas grand chose en fait. Voilà, très bien. Ouais, non, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Alors, nous avons loup, rien à faire. Lapin. Serre. Boyau. Oh, on a encore tout ça de bois. Il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et encore 2 pour les arcs. Eh ben... Eh ben. Ah bon, on va pas manquer de flèches. Hein. On va pas manquer de flèches, c'est sûr. Alors, on va mettre ça là. Voilà, tout est plein. Eau non potable. Ok, ça marche. Alors les allumettes, on va peut-être en déposer quelques-unes aussi. 12. Fabrication de munitions et couture, je vérifie si on les a lues, parce que je m'en rappelle plus. Mais normalement on les a lues. Yes, ok, ça marche. On prendra ça. On va laisser des choses ici à 1000 tonnes, hein, parce qu'on a beaucoup de trucs, en fait. Ouais, on a énormément de choses. Ça aussi, on va le laisser là, très bien. On a les bombes, on prendra les bombes, on a un marteau... On a les kits de couture qui sont intéressants. On a les pierres à aiguiser. Très bien, on en a 3 en tout. Très très bien. On a du cuir séché. Très bien. Du coup. Du coup, il n'y a rien à faire en fait. Je veux pas dire l'inverse, le contraire, mais y a rien à faire. Il n'y a strictement rien à faire. On peut réparer les vêtements, mais bon, c'est pour gagner. On va se balader vers la ferme, on va voir un peu si vu qu'il fait pas froid. On va se balader vers la ferme. Et on va voir si on peut pas trouver d'autres endroits. Ouais, peut-être chasser des cerfs. Mais ouais, il n'y a pas grand chose à faire. Donc on fait un peu le tour de 1000 tonnes vite fait. Et après on partira. Oh, bien ça, il m'a fait peur ce con.
On va récupérer la peau et un peu la viande. Par contre, il est passé où ce con? Là? On y est presque. Ah, très bien. Voilà. Très très bien. Donc ça nous faut, ça nous fait une peau en plus. On va se mettre là, comme ça on est peut-être protégé du vent. On va prendre 2 kilos de viande. Ah, on aurait dû le découper en fait. On aurait dû le utiliser, le découper, c'est pas grave. On va prendre les boyaux parce que pourquoi pas. Et on va reprendre encore 1 kilo de viande. Ouais, c'est bon, on se casse. Bon bah voilà, on cherchait, cherchait un cerf. On l'a trouvé. Faire attention de pas tomber sur un loup. Vu qu'on pue la barbaque. Donc ouais, je suis en train de me dire, est-ce qu'on part maintenant? Enfin si on a tout fini, ouais au final on partira maintenant. Le problème c'est que je risque de prendre un peu de temps pour choisir ce qu'on doit prendre avec nous. Donc ça, la plupart du temps, je le fais en dehors des vidéos. Le fait de choisir genre combien de ravitaillement on prend et on va amener au lac Mystère. Parce que je suis extrêmement lent à chaque fois. Donc bon, on verra. On va voir si on fait... Ça c'est le boyau. On verra si on le fait ou pas. La peau, je vais la mettre là. Y'a rien là, y'a juste les... Comment ça s'appelle les bois. J'ai du mal à trouver mes mots en ce moment. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est le cerveau, ça. Le cerveau qui part en live. Voilà, très bien. Donc à la limite, j'ai envie de dire, on peut peut-être partir sans créer des fûts de flèches et juste prendre les bois avec nous. Mais bon, je pense que c'est quand même mieux de faire les fûts de flèches, je dirais. C'est quand même plus intéressant de faire les fûts directement. On a des lapins ici qu'on peut aller récupérer. Je pense pas qu'on ait besoin. Comme j'ai dit, les vêtements, bah ouais, au final, bon, bah, ça c'est du tissu, on s'en fout. Ça on l'a fait, donc le chapeau en peau, en lapin, ça c'est fait, les moufles en lapin c'est fait. Il y a la cape en élan, mais bon, à 87%. On a la peau de l'ours qui est à 87% aussi. Mais ça, comme on a dit, on va sûrement faire une deuxième manteau en fait en peau d'ours. Parce que c'est ce qui nous protège le plus pour ce qui est du vent et des degrés. Donc je pense qu'on va faire ça. Ça c'est en tissu. Chaussettes pareil, tissu c'est au max. Après il reste plus que les pantalons et les chaussures. Mais bon, les pantalons chaussures sont pas très abîmés non plus quoi. Hein. C'est genre 88%, c'est rien du tout. 88%, enfin, ça va quoi. Donc ouais, donc ça sert un peu à rien. Peut-être que vu qu'on a récupéré une peau d'élan, on fera les chaussures avant de partir. Dès qu'on vient d'en récupérer une. Qu'est-ce qu'on fait? On ressort. Parce qu'on n'est pas très fatigué. À la limite, on fera les chaussures. Comme j'avais dit. Je crois que je l'avais dit, ça. De faire les chaussures, un moment. Mais c'est tout. C'est tout. Et après, on partira. Donc, on va récupérer du bois. J'essaye d'imaginer, en fait, ce qu'on va ramener à la maison. Donc, du bois pour des flèches. On va prendre 2 bois pour l'arc, comme ça on aura du bois en réserve pour l'arc. Du tissu,
Je crois que le tissu, on en a besoin aussi. Ah, il est là. T'es mal placé, toi. Non, on va pas te combattre dans le noir comme ça, parce que j'ai pas une très très bonne visibilité. Donc j'ai du mal à juger sa distance, en fait, donc on va pas le faire. On va pas le faire. Elle va être en pleine forme, normalement. Mais ouais. Du tissu, des bois... Et je pense que c'est à peu près tout. Je pense que c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour patienter? Il n'y a pas grand-chose pour patienter. On va voir dehors s'il fait un peu plus jour, mais... Ça m'étonnerait. Il y a aussi le sac de couchage en peau d'ours qu'il faudrait rafistoler. Oh, il y a encore une tempête. 70%. C'est bas. C'est bas. Mais bon, dans un sens, j'ai envie de dire, c'est... En théorie, c'est mieux de faire un manteau en plus. Un manteau en peau d'ours que d'utiliser la peau pour rafistoler le sac de couchage, non? Je dirais que c'est plus intéressant pour nous. Enfin, ça me paraît logique. Donc, on va pas le réparer. Bon, par contre, je sais pas quoi faire là. Il fait froid et on est bloqué à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? À part attendre, je vois pas. On n'a pas de livre à lire. Pas besoin de faire du feu ou de l'eau. À la limite, on pourrait faire. Non, on a de l'eau, on a assez d'eau. De toute façon, même si on trimballe de l'eau là-haut, au deuxième camp, on risque rien. On en a tellement. Non, je sais pas quoi faire. On va aller dormir. Je pense qu'on va avoir le mal de l'enfermement, parce qu'avec toutes les... Tous les fûts là qu'on avait fait. Bon bah du coup on retourne faire des fûts. On retourne faire des fûts de flèches. Alors ça c'est la peau séchée. La peau de loup, ça c'est la peau fraîche. Ça c'est encore les trucs. Ok, on y va. On y va, on retourne, on va faire des fûts de flèche. Ça va prendre du temps quand même. Ouais, non, on va avoir la folie de l'enfermement là, c'est relou. Ah, il faut de l'eau, il faut prendre de l'eau sur nous. On va ramener de l'eau là-haut, comme ça on n'a pas besoin d'en faire. C'est pour ça que je prends aussi beaucoup de viande. Ouais, c'est pas mal. Très bien. Et après, on rentrera... par les cordes, donc faudra faire attention. Ouais, enfin, de toute façon, que ça soit monter ou descendre les cordes, il faut tout le temps être en dessous du poids limite. Donc faudra qu'on soit en dessous des 40 kg.
Mais la bonne chose, c'est que c'est simple. Honnêtement, la zone qu'on va prendre est beaucoup plus simple que celle qu'on avait prise. Donc, on risque rien. C'est vraiment tranquille ce qu'on va faire. C'est prendre deux cordes. C'est quasiment les unes après les autres. Et puis après, on se retrouve dans la grotte et on est sur le lac Mystère. C'est très, 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 très simple. À la limite, peut-être dans la grotte, il faudra de la lumière, mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. La peau de l'élan, on la prend sur nous ou pas? C'est un peu embêtant parce que la peau de l'élan, c'est quand même très très lourd. Genre 5 kilos. Parce qu'on va avoir la peau de l'élan, la peau de l'ours. Ah, on l'a fait une fois, on peut le faire deux fois. Hein. On aura les bois aussi. Ah, c'est emmerdant. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup. Les pierres à aiguiser. À la limite, on n'a pas besoin de prendre les kits de couture. Parce que les kits de couture, je me rappelle, on en avait déjà plein. Donc ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on doit prendre d'autre? Oui, le tissu. Le tissu, on en avait ramené un paquet ou pas chez nous? Voilà. Je suis en train de me demander en fait si on en avait ramené. Ah oui, 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 on en avait ramené pas mal parce qu'on était allé à l'autre zone là, avec le manoir. Là. Enfin, j'appelle ça un manoir, mais c'est pas un manoir. Ah oui, 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 on en avait plein. Donc même le tissu, on n'a pas vraiment besoin d'en récupérer. Enfin, d'en ramener avec nous. Intéressant. Intéressant. De viande, on est gras. Ça. Et après on rentre et on est bon. Quoi en dessous? Oh la scie, d'accord. Et 3, non, et 1, ça va. Je me demande si ça pèse pas moins lourd quand c'est sec, non? Je crois pas, hein. Je crois que c'est exactement pareil. À l'intérieur, je crois qu'on a, voilà, 4. 4 fûts. On va faire avec le couteau, ça va être plus vite. Embêtant qu'à chaque fois on doive remettre sur le couteau. Ok. Très bien. J'ai cru que pendant une seconde ça disait cru. Je me suis... Oh merde, ça va mal se passer. On a 12 fûts de flèches, on va en faire une vingtaine. Je
Je crois qu'une vingtaine c'est mieux. Non, c'est bien une vingtaine? Je sais pas en fait. Je sais pas trop. On en a encore là, là, et ça c'est des bois pour faire des arcs. On va voir le poids que ça prend. Ok, très bien. Alors, on a 27 fûts. On va en faire encore 3. Comme ça, ça fera 30. Je sais compter. Je sais. Merci. Merci beaucoup. Voilà, 30 fûts de flèches. 1,5 kg, c'est très bien. C'est très très bas. Donc, on prend ça pour chez nous. On a encore 13 flèches là. 14, 15, 16. Ouais, non, celles-là, elles sont encore dans un bon état. Pas besoin de les changer. On va prendre les flèches avec nous. Il faut se rappeler aussi qu'on a des flèches encore au lac Mystère. Donc, on n'est pas... on n'a pas vraiment de problème. On a vraiment beaucoup de flèches. Le marteau, pas besoin de le prendre. On a déjà un marteau, je crois bien. On a la lampe là. On a une bombe de peinture, on va la prendre. On va déposer celle-là, parce qu'elles sont un peu vides. Ah, très bien. Là, on a des plumes. Là, on a du tissu. Le tissu, on le prend pas. Ah, on a encore des fûts ici, j'avais oublié. On va les prendre. On va les prendre. Qu'est-ce qu'on fait des plumes? On va en laisser 10. A chaque fois, il faut quoi? 2 plumes ou 3 plumes? A chaque fois, je me rappelle plus. Flèche simple. 3 plumes. Donc 3, 6, 9, ça ferait 3 flèches. On en laisse 2. Voilà, on fait 4 flèches comme ça. Ça ferait 4 flèches, ça ferait assez de plumes pour 4 flèches. Le tissu, on ne le prend pas parce qu'on n'en a pas besoin. Là, il y a encore du matériel pour faire des fûts. Si besoin. Ça, c'est l'érable, c'est pour faire un arc, on va le prendre avec nous, on va en prendre même un deuxième. Voilà. Très bien, on va laisser de l'eau ici. Ok, très bien. Ok, très bien. Donc on va prendre ça, ça. La fourche de serre. Je crois qu'on va faire le... nos bottes maintenant. Autant faire nos bottes maintenant. Réparer 1h16. 2h, 1h16. Je crois qu'on va pouvoir partir, hein, rentrer chez nous. Je crois qu'on va partir maintenant même. 100, très bien, très bien, très bien, ça il faudra du tissu. J'ai envie d'en prendre quand même du tissu. J'ai envie d'en prendre. De toute façon on va retourner à la maison de Milton, mais je crois qu'on va en prendre là-bas quand même. Ça c'est 1%, on va le mettre là-dedans parce que ça sert à rien de trimballer honnêtement. Ah c'était 1 de ça. Je pensais qu'il en fallait 2. Donc on a ça, les érables séchées. Érables séchées, c'est bien l'arc. Hein. Que je fasse pas de bêtises. Érables séchées. Donc ça nous fait 2 arcs. Parce que
Là-bas, c'est les bois, en fait, au lac mystère qui nous manque. C'est les bois. Là, on en a plein, en fait. Et encore, on n'a pas fait la zone au maximum. Hein. La vallée rivière calme, on aurait pu encore en prendre. Je suis sûr le double. En trouver le double, facile. Le métal, on n'a pas vraiment besoin. Je crois qu'on a une scie de secours là-bas aussi, au lac mystère, si je me rappelle bien. Donc, je sais pas si ça vaut le coup d'en prendre une deuxième avec nous, d'en ramener d'autres. Parce qu'on a le barrage pour aller récupérer plein de morceaux de métal. Donc ça serait pas mal d'avoir pas mal de scies en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les scies vont quand même être utiles. Hein, si jamais on se décide d'aller par exemple au Mont Timberwolf. Il y aura des caisses à ouvrir et les scies seront utiles. Les scies seront utiles. Donc j'ai envie de prendre deux scies sur moi. Enfin d'avoir quelques scies en fait de côté. Donc ça. Là on a les fûts, 34 fûts, c'est très bien, on a deux scies, on a ça. Là, on a les 2, 4, on a la hache, le couteau. On a ça. Il va falloir qu'on prenne les pierres à aiguiser. J'ai envie de dire pierre ponce à chaque fois. Pierre à aiguiser. Ça, on pourra en manger 5. Les vêtements, c'est bon, il n'y a pas besoin de les rapistoler encore une fois. Est-ce qu'on en prend plus? Genre, est-ce qu'on rentre avec des nouveaux champignons ou pas? Si on en avait déjà beaucoup là-bas, donc on va revenir avec encore plus de champignons. On va prendre des allumettes, évidemment. Donc, fourrure d'élan. Fourrure. Ouh, on est lourd. Hein. 45 kilos. Intéressant. La fourrure d'élan, je crois qu'on va la laisser. Quarante-cinq kilos et j'ai à peine 2 litres d'eau et j'ai pas de viande sur moi. Et je crois pas avoir d'autre chose de lourde en fait. Donc si on veut passer les cordes. Ouais, on va pas prendre la peau de l'élan alors. On va prendre seulement la peau de l'ours. De toute façon, la peau de l'élan, comme j'ai dit, c'est pas vraiment très très utile. On va prendre la peau de l'ours. Fait beau à Hamilton en ce moment. Je sais pas pourquoi. Je sais pas vraiment pourquoi, mais il fait beau. On va aussi repartir avec l'arc qu'on a créé, qu'on vient de créer, donc celui à 100%. Comme ça, on sera nickel pour repartir. Il fait vraiment pas froid. Hein. Ça change du temps pourri qu'on avait là-bas. Hein. On va partir la prochaine journée, je crois. Sauf, je suis sûr qu'on va se taper une tempête. Je suis sûr qu'on va pas pouvoir partir. Il peut pas faire aussi beau là 2 jours d'affilée sans avoir un cataclysme. C'est pas... C'est pas normal. Y a pas de... ça marche pas comme ça, ce Long Dark, ok? Donc on va sûrement avoir un cataclysme demain.
Donc imaginons on pose voilà la foire de l'élan. On va déjà prendre tout ce qui nous intéresse. Donc déjà ça. Ça. On va laisser une boîte. On va prendre ça. Alors les bombes de peinture, on va en prendre deux. Le cuir. Alors, imaginons on prend tout le cuir. On a une loupe à 78%. On va prendre la loupe à 78%. Bon, ça on les laisse parce qu'on en a déjà plein. Les vêtements, on prend pas de vêtements extra. Les cafés. Alors les cafés c'est un problème parce que les cafés c'est extrêmement rare. Donc je crois qu'on va devoir les prendre sur nous. Je dirais. Les kits de couture on n'a pas besoin. Par contre on va échanger, on va en prendre un comme ça sur nous à chaque fois. On a une scie là, on va prendre, on va poser celle-là. Ça on les prend avec nous. Le pied de biche, le pied de biche, le pied de biche, on va le garder. On va pas en prendre un deuxième, c'est ce que je veux dire. L'ouvre-boîte, on va pas le prendre non plus. Donc ça c'est bon. Et là, on a le tissu, tout ça, ok. On est à 43 kilos, 43 kilos avec 3 litres d'eau. 1 kg de viande. Non, ça va, on peut prendre les cordes. On peut prendre les cordes, on utilisera ça pour se remettre du... de l'eau et tout ça. Non, ça va, on peut partir comme ça. Alors, les médicaments, on n'a pas d'autres médicaments à prendre. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on prend pas les écorces avec nous? Les écorces de bouleau. Parce que les écorces de bouleau, c'est quand même rare. Mais bon, le truc, c'est que les écorces de bouleau, en fait, réapparaissent parce que ça vient des arbres, en fait, ça tombe avec les tempêtes et tout ça. Donc à la limite ça c'est trouvable, c'est rare d'accord, j'avoue, c'est très rare mais c'est trouvable. Alors que les reishi et tout ça, c'est commun mais ça revient pas. Donc vous voyez c'est un peu, c'est kiff kiff quoi. Donc c'est pour ça que j'ai envie de les prendre avec moi les écorces. Mais bon dans un sens je me dis on va sûrement en trouver d'autres sans trop de problèmes. Je crois que on est bon, je crois que c'est bon. À la limite, si vraiment on a un problème de poids, je dirais qu'on dépose genre une bombe de peinture. Mais je voudrais bien en ramener en fait chez nous, parce qu'on en a pas trop. Vu que on n'avait pas encore la mise à jour. Mais je crois qu'on a tout, je crois qu'on est prêt. On va dormir et on partira. Donc on rentre. Alors, on va faire récapitulatif d'après et après on va dormir et après on partira. Donc on rentre avec... Alors, beaucoup d'allumettes. Parce qu'on était parti je crois avec deux boîtes, on a trois maintenant. Je crois que c'était ça. On a un Fire Steel 87%, une loupe à 78%. En médicaments, bon, on a encore plein de Raichi, de décors de boulot, Sino, Rodon, là aussi pareil. Donc ça va. Vêtements, on a notre cache-oreille, on a des chaussettes d'escalade et tout ça neuves, très bien. Bon là on a rien de très spécial, très nouveau. Pour les outils, donc un arc neuf, deux bombes de peinture, donc notre couteau, notre hache, pied de biche à 100%, on a trois pierres à aiguiser, très bien. On a deux scies, dont une à 95%, c'est très bien, on a toujours notre sac de couchage.
On a un seul nécessaire de couture, parce qu'on en a déjà plein là-bas. Et après, de toute façon, c'est pas très grave, on peut faire des lignes et des hameçons. 34 fûts de flèches. Donc, on a le temps de voir venir, hein, honnêtement. On a vraiment le temps de voir venir. On va repartir avec notre faitout et notre conserve. C'est celle qui nous a un peu sauvé la vie, hein. Enfin, aidé à survivre. Après, on a du cuir séché. Une fourrure d'ours séchée. Deux jeunes érables, donc c'est pour faire deux arcs. Un arc, c'est que ça pèse combien un arc? C'est 50. Alors que deux bâtons, c'est 60. Si vraiment on veut jouer le poids, ce qu'on pourrait faire, c'est faire deux arcs en fait. Au lieu de d'avoir les bois. Ça serait moins lourd. Non, qu'est-ce que je dis? Non, ça serait plus lourd, je suis con. Non, c'est 50, ça ferait 2 fois 50 en fait. Alors que là, on a le bois et c'est 60. Deux bois, c'est 60. Non, j'ai rien dit. Non, c'est très bien comme ça. on a des plumes en plus pour les flèches. Voilà. Non, non, on est très bien là, on est très bon. On prend les bonnes choses. On prend les bonnes choses, donc on va aller dormir. Non, je suis content. Et on retourne au lac Mystère. Bon, après, si vraiment on doit revenir ici pour quelconque raison, c'est pas difficile de revenir, ok? C'est vraiment pas difficile, donc on peut faire un aller-retour. Ça nous prendra un peu de temps, mais on peut faire un aller-retour. Voilà, très bien. J'ai envie de dire, on peut peut-être aller dormir à la station. Comme ça. C'est ce qu'on va faire, on va aller dormir à la station. Vu que en plus il y a une aurore boréale. Bon bah c'est bon, on y va, hein, on n'a rien oublié. Hein. J'espère pas. 69, je viens de voir 69 le sac de couchage. C'est vraiment embêtant quand même que ça baisse. Que ça baisse autant. Putain, il fait pas très froid. Regardez-moi ça. 69%. On va essayer de pas tirer de flèche. Donc on va aller s'installer à la petite maison qui est à côté de la corde en fait. Mais c'est pas mal de sortir la nuit comme ça. Enfin en pleine aurore boréale, comme ça vous voyez un peu. C'est pas conseillé du tout hein, de faire ça. Hein. Faut pas le faire. Hein. Je crois qu'il a eu. Je crois qu'il a eu peur. Là-bas, il y a la station service. On va courir parce qu'on va dormir, donc autant se fatiguer. Faut faire attention, ils sont très agressifs, hein, les loups et tout ça. On va passer par là.
peu. Ok, ça se passe bien. Je suis un peu plus silencieux, c'est pour les entendre. Ok, c'est là qu'on va dormir. Comme ça, on sera juste à côté de la corde. La corde est juste là-bas. Voilà, très bien. Il y a un truc à lire là ou pas? Non, je crois pas. Hein. Je peux même pas m'avancer. Mettre un peu de musique. Et on peut dormir là. Je crois qu'elle est pas assez fatiguée pour dormir jusqu'au lever du soleil. Mais en pleine forme. On pourrait partir maintenant, mais avec l'aurore boréale, c'est quand même très dangereux. On va pas le faire. On va juste attendre. On entend hein, du monde hein, à l'extérieur. Il y avait du monde. Hein. Non, c'est ce que j'avais dit. Me dis pas que... On va être bloqué à cause d'une tempête. On va être bloqué à Milton. Ah, quoique, il fait très beau. Peut-être pas. Il fait froid quand même. Il fait quand même bien froid. Mais je crois qu'on va... On va faire, on va se débrouiller. C'est parti, on rentre à la maison. Au revoir Milton. C'était un plaisir. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait froid. C'est pas grave. Ce fut un plaisir, au revoir. Au revoir. Il fait méga méga froid. Très bien. Non, pas sprinter, sinon on va se fatiguer. Et notre prochaine corde... Ah ben on la voit, on la distingue, je sais pas si vous la voyez. Bon, on la distingue, là elle est juste pile devant. Ouais, on va avoir froid, un peu emmerdant. Mais bon, c'est pas grave. On a des champignons à récupérer. Regardez-moi s'il y a des champignons partout. Il y a un cadavre pas loin. Là-bas. Regardez-moi ça, champignons. Je sais pas si dans cette zone il y a une grotte. Ah si. Ah si. Donne-moi ça. Ah
On peut se réchauffer et dormir ici, c'est pas magnifique? On va faire genre je savais même pas qu'il y avait une grotte ici. Elle est marquée sur la map? Ouais, mais c'est ça, c'est celle-là, c'est là on a pris cette corde et là on doit prendre cette corde maintenant. Je savais même pas qu'il y avait une grotte. Bah c'est vraiment encore plus simple que ce que je pensais pour aller à Milton de ce côté là vraiment tranquille. C'est vraiment bueno tranquille, quoi. J'ai abusé. Voilà. Je vais regarder par là ce qu'il y a. Parce que je suis en... J'allais dire, il y a possiblement même pas de prédateur en fait. Il y a des lapins. Il y a des lapins, il y a du bois. Il y a... Il y a tout ce qu'on veut en fait. On peut très facilement survivre en plus dans cette zone. Entre deux. Parce que les zones entre deux, la plupart du temps, c'est dangereux. Moi je pensais même que ça serait dangereux. Mais au final non, c'est pas vraiment dangereux. Il y a une grotte et tout ça quoi. Vous risquez strictement rien. Il y a des lapins. Il y a des champignons. Il y a tout ce que vous voulez. Mais il faut un sac de couchage. Mais il faut absolument un sac de couchage. Alors là, faut pas se louper, bien sûr. Voilà, c'est bon. Donc là, on a juste à prendre la grotte. Et puis après, on est au lac Mystère, ça y est. C'est super simple. Donc c'est pour ça que si jamais on doit retourner à Milton, c'est pile à côté. C'est vraiment pile à côté. On a notre sac de couchage. Ouais. Même dans un blizzard, on peut y aller, honnêtement. Même si un blizzard, on peut quand même y aller à Milton. Vu qu'il y a la grotte et tout. On risque rien. Faut juste faire attention à son endurance avec la corde. Il y a une massette aussi à récupérer. Je me demande si ça vaut le coup d'aller pêcher quand on rentrera. Je sais pas trop aussi. Peut-être qu'on fera un peu de pêche. Faut qu'on trouve le Polaroid. Qu'on trouve la photo. On avait dit ça de toute façon, qu'on irait à la recherche de la photo. Alors est-ce que la grotte elle est marquée sur la carte? Je crois pas qu'elle soit marquée. Ah! Donc, ce sera l'emplacement de la grotte. C'est bête, je voulais dessiner le chemin qui nous manque. Ah, c'est emmerdant ça. Bon, pas grave. Je pensais au moins avoir un ou deux
truc charbon. Bon, normalement on risque rien. Il fait jour donc je pense pas allumer de torche. Je crois pas que la grotte soit trop compliquée non plus. C'est un cul-de-sac. Il y a du charbon à récupérer. Je pense que même vous voyez, il n'y a pas de problème. Vous me direz dans les commentaires. Mais normalement, c'est très visible. Ah ! J'avais dans l'espoir de récupérer du charbon avec ce feu. Alors attendez, nous on vient de là. Là, il n'y a rien. C'est par là. Dans ma tête, je me disais, ah, peut-être qu'on va trouver un feu. On l'a trouvé, mais il n'y a pas de charbon dedans. C'est chiant. Ah, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Il n'y a qu'une route, je crois, sur celle-là. Ouais, il n'y a qu'un seul chemin dans cette grotte. Elle n'est pas compliquée. Devrait bientôt être à la sortie. Je crois que ça c'est cul-de-sac. Ouais, c'est par là. Ouais, non, il n'y a qu'un seul chemin. Voilà, c'est bon, on y est. Ah bah au final, je pensais vraiment rester encore un peu à Milton, mais bon, on avait quasiment tout fini déjà, donc c'est pas très compliqué. Et voilà. Donc on peut aller se reposer, ou alors on rentre directement chez nous. On va rentrer directement chez nous. On peut aller à la cabane du trappeur. Non, on va directement aller... À chaque fois, je me rappelle pas. C'est quoi, maison de garde? Bureau de camp du camping. Voilà, c'est ça, bureau du camping. On est à combien? On peut prendre un peu de bois sur le chemin. Parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas venu ici, donc... Il doit sûrement avoir pas mal de bois par terre. Il fait même jour. On peut même faire un feu avec la loupe si on veut. Pour fêter notre retour. Après, ça fait tellement de temps qu'on est parti. Ouais, déjà, il y a des lapins là. Je pense que la zone... les animaux sont revenus. On doit sûrement pouvoir trouver un élan. Plein de loups. Un ours. Enfin, voilà quoi. Les conneries habituelles. J'ai envie de dire. Bon, pour le moment, pas de vie. Tant mieux, tant mieux. Je suis assez étonné. On va prendre le bois là, il y en a plein. Ah, j'en entends. Je crois qu'ils sont plutôt vers Muskegmorn. Par contre, je sais pas ce qu'est devenu la viande. Je sais pas si on peut la manger. En théorie, à 0% on peut la manger donc encore. Bon, comme j'ai dit, la plupart du temps j'évite de le faire pour me donner un peu de difficulté par rapport aux calories, mais
Si on doit aller chasser, on va manger de la viande à 0%. Il n'y a pas de problème et après on chassera. On va pas se précipiter. J'ai pas vraiment envie de me précipiter pour aller chasser. Je veux juste rentrer, ok? Je veux juste rentrer tranquillement. Et après on ira à la chasse à la photo. Vous avez vu avec toutes les tempêtes qu'on a eues, il y a plein de bois partout. Il y a aussi les gros morceaux de bois. Quand il fait beau comme ça, je voudrais bien aller en couper. Ok, moment de vérité. Alors est-ce qu'il y a un comité d'accueil ou pas? Ah ok, serre. Donc on peut chasser le cerf si on veut. On peut peut-être rentrer, se réchauffer, mettre une flèche dans le cerf et récupérer tout ce qu'il a. Parce que vu qu'il fait pas très très froid, je sais pas si on va pouvoir le faire. Voilà. Je sais pas si c'est le cerf qu'on a vu ou c'est devant la maison, il y en a un autre. Ou un élan ici. Non, ça m'étonnerait que ce soit. Non, on aura entendu mou. Ça gueule fort les élans. Il y a rien. Bon bah ça a l'air d'être super tranquille. Ça a l'air d'être super tranquille. Ah ouais, quand même, on a rien en fait. Bon bah, je pensais qu'il nous restait encore de la bouffe. On a deux steaks et basta. Bon, ben on est de retour. Personne pour nous accueillir parce que bon, on vit seul. Du coup, voilà quoi, c'est compliqué. C'est compliqué quand on vit seul, eh oui. Quoique, honnêtement, c'est le top. Ah, on en a trois. Je pensais qu'on avait que deux. On en a trois, très bien. Ah mais ok, on avait déjà ça en fait pour... pour faire des arcs. On n'avait pas tellement de problèmes en fait. Oh la vache. Oh mon dieu. On n'avait pas vraiment de problème pour faire des arcs. Alors ça, 21 flèches. Ça c'est bien, on a pris les flèches qu'on n'en avait pas, c'est bien. Le cuir aussi pareil. Ah quoi que non, attendez, le cuir je crois qu'on le met au-dessus. Le cuir c'est au-dessus. On va aller voir ça. Ça fait plaisir de revenir ici, c'est tranquille, ici c'est tranquille. Ouais, ici c'est les vêtements, donc cuir et tissu 42, voilà, très bien. Ouais, ouais, ici c'est vraiment cool, c'est tranquille. On a foutu des objets partout en plus. On va se débarrasser, on va un peu vider notre sac. Et on va aller chasser le cerf. Tac, tac, tac. La scie, on va pas la mettre. On va la déposer par terre.
Fût de flèche. Alors, poser celle-là. On a cette bombe-là. Ah, on a plein de café aussi. Il y a celui-là à 100% là qui a 100 calories là, on va le prendre. Voilà. On va garder celui-là parce que les autres 56% là c'est ce qu'on avait fait quand le café allait expirer en fait. Et du coup on était au niveau et du coup c'est 125 de calories. Alors ça... Les Raichi, on va en déposer. Voilà, 10. Très bien. Voilà, donc on a 13 et 13 en d'avance. Un là, après on a ça sur nous et on a... Oups, pardon. Et on a aussi encore tout ça à boire. Et on a de l'eau en avance. Donc c'est bien, on va devoir faire de l'eau à un moment ou à un autre. On a tous les kits là. Ça, on va la détruire. On commence à avoir trop d'objets en fait partout. Des têtes de flèches, on n'en a pas. Je sais qu'après, on avait mis des flèches. Ici, je crois. Flèche simple, très bien. On va mettre l'arc, on va reprendre celui-là. Je crois pas qu'il y en ait d'autres d'arc. Non. Parce que c'était chiant à poser en fait, donc c'est pour ça que je les ai mis dans le casier. Même si mettre un arc là-dedans, ça n'a pas trop de sens. Vu la taille, mais bon, c'est pas grave. Ça nous fait 5, 6, 7 et 8. Ouais. 8. Non, c'est 8, non, oui, c'est bien. Donc on a 18 d'avance, on a 2 arcs. Très bien, on est à 32 kilos, très bien. Les allumettes aussi à déposer. On va les mettre là, c'est pas lourd les allumettes. On va toutes les mettre là. On va prendre la boîte de 10. Voilà, très bien. Et ben voilà. On a... Ouais, non, ça va, c'est bien, là, on est bien mis. C'est bien, bien mis. Il fait un peu froid, non? Ah non, ça va. Ça va, il fait pas froid du tout, faut en profiter. Attends, t'as fait demi-tour là, tu te fous de moi? J'espère qu'on va pas le louper. Enfin, je viens de dire ça, donc on va le louper sûrement. J'ai pas envie de courir après, en fait. Je sais pas à quelle distance on peut s'approcher à Croupy. Tu peux pas t'arrêter?
c'est bon. Ok. Je sens qu'on va utiliser la scie pour aller plus vite. D'accord, ok. Pas besoin d'utiliser la scie. On a chaud. Ah, c'est les vacances ici. À tout près. J'aurais dû le découper à la scie en fait. Faut que je pense à faire ça parce que c'est à peine. C'est seulement une heure. Là on a perdu quand même pas mal de temps. On a fait quoi? 2 heures, 3 heures je crois. J'aurais dû le découper et puis après on aurait pris les sacs et fait les sacs à la maison. C'était. Bon, bon bref. C'est fait, c'est fait. Ce qu'on peut faire, c'est aller couper du bois qu'on a vu dans la forêt pas loin. Donc, on a tout ça. Très bien. Faire cuire. On va prendre ça sur nous. On a tout ça à faire cuire. Ah bah, après avoir passé... des jours là-bas, là, dans le la vallée calme, avec un temps tout pourri tout le temps, ça change. Ça change. Ça change beaucoup. On va récupérer ça, et la peau d'élan, on va la mettre là. Très bien. Ouais, donc on va voir. On a la hache. Donc je vais voir si on peut couper un morceau de bois ou deux. Genre pas loin de chez nous. Comme ça on a des bûches. Les bûches c'est cool. Bon l'épisode est un peu long mais bon. On a combien? Moins 2. Ouais, si on avait un manteau de d'ours en plus, là, on serait en positif, en fait. Donc, ouais, je pense qu'on va... Oh, la vache. Ok, c'est vrai que j'avais oublié ici, c'est Silent Hill. Ça, c'est parce qu'il y a l'eau, en fait. Il y a la rivière, il y a des trucs et tout ça. Donc, ici, on a beaucoup de brouillard. Je pense qu'ils ont fait ça exprès, en fait. Ils ont pensé ça quand ils ont créé la zone. Bon par contre j'aime pas trop me déplacer parce qu'il y a sûrement des loups. J'ai pas trop envie de tenter ma chance en fait. Alors, on va rentrer. Voilà, ça suffit. Je me dis, ça se passe bien, va pas trop tenter ta chance. Genre, on va commencer à taper un bois, genre loin de chez nous. Et pendant qu'on tape, il y a un loup qui va nous sauter dessus. C'est bon. J'ai pas envie de tenter ça non plus. On va pas exagérer. On va pas exagérer. C'est prendre ces petits morceaux de bois.
J'aurais bien voulu prendre encore plus de gros bois, de sapin, mais bon. Comme j'ai dit avec le brouillard, j'ai pas envie de tenter. Alors, on a tout ça en petit bois et après en bûche. On a 3 bûches de cèdre et 3 de sapin en plus. Voilà, et on a ça. Voilà, et on a de bois de récupération, tout ça. Donc, ça va, niveau... Niveau feu, on est bon, hein. On est tranquille. On a... on a de la marge, on a vraiment de la marge. Donc, il n'y a pas de problème. Bah, je suis content. Ouais, il va falloir faire cuire. La prochaine fois, on va faire cuire. On va prendre encore des massettes. Mais la prochaine fois, on commencera la journée en faisant de la cuisson. On va faire cuire tout le cerf qu'on a récolté. Au pire, on mangera des massettes pour tenir. Et après, on sera donc à la recherche de la photo. Donc, moi, je pense qu'il y aura 2 endroits qui seront intéressants, voire 3. Donc, il y a le tour de guet. La tour de guet, il faudrait y retourner pour voir s'il n'y a pas la photo. Parce que nous, on est parti. Quand ils ont mis la mise à jour, en fait, on est parti pour Milton. Donc, bon, du coup, on n'a pas regardé cette zone. Mais il y a sûrement le Polaroid quelque part. Donc, la première zone qu'on va fouiller, c'est la tour de guet forestière. Après, on va aller là, la tour de transmission haute fréquence. À la limite, je dirais peut-être qu'on va voir la cabane. Et après, ça sera le barrage Carter. Faudra aussi dessiner ça. Je pense que c'est les zones les plus grosses. Après, oui, il y a aussi la cabane du trappeur. Mais c'est vraiment les zones les plus grosses de la zone, je crois bien. Mais voilà. On a une chance de la trouver là. Enfin, de le trouver dans ces zones-là, j'imagine. Donc voilà, on fera ça la prochaine fois. On fait cuire, faire manger. Et après, on part à la recherche de la photo. Et... je pense pas que je vais le faire en stream, non, j'allais dire. Le faire en vidéo. Mais c'est créer un manteau en ours. Parce que ça va nous prendre 39 heures, c'est un peu chiant. Donc on va peut-être pas le faire en vidéo. Je le ferai entre 2 vidéos, comme ce que j'ai fait la dernière fois. Et après, on réparera aussi notre sac de couchage en peau d'ours. Parce qu'on a 3 peaux d'ours, donc là, il en faut 2. Et là, il en faut 1. Donc on réparera le sac de couchage aussi. Enfin, on le réparera quand on partira de la zone, pas avant. Parce qu'il continue en fait à baisser en... pourcentage, donc on le fera ça. Mais en tout cas, ouais, je veux tester est-ce que avoir 2 vêtements d'ours, c'est pas mieux que d'avoir une fourrure d'élan et un ours. Ça peut être peut-être un peu plus intéressant, on verra. Donc voilà, ce sera notre test. On va boire une dernière gorgée de vodka et après on va dormir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, de suivre toujours cette petite série. Voilà. Ça s'est très très bien passé, le bon retour au lac Mystère. Merci beaucoup d'avoir regardé, et bonne nuit à tous, ciao ciao.